Oh, alors Ellie, c'est génial. Depuis que tu as été chez le coiffeur, te peigner est un vrai plaisir. Regarde ça, je passe la brosse et ça glisse tout seul, il n'y a pas un seul nœud. J'adore. Coucou, 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 papa Ellie. Coucou, maman Nette, ça va? Eh ben, ça va les loulous, tu es en train de préparer Ellie, du coup, tu es en train de lui brosser les cheveux. Tout à fait. Et tu sais, elle a été chez le coiffeur il n'y a pas longtemps, mais maintenant, c'est un plaisir de la peigner. On va faire un câlin. Oh oui, un petit câlinou. Bon, alors on fait un petit point santé. Si Ellie tousse pendant la vidéo, sachez qu'elle est encore un petit peu malade. C'est passé du nez au poumon. Voilà. Il y en a encore un peu dans le nez quand même. Ouais, il y en a un petit peu dans le nez aussi. Donc. Qui essaie de sortir. Ouais, je suis bête. On n'a pas de chance là. Hein. On commence mal l'hiver. Bon. Mais bon, elle a des cheveux magnifiques. Oui, voilà, bah, ça compense, ça compense. En plus, ils sont super brillants. Franchement, ça leur a fait du bien d'aller chez le coiffeur. Regarde ça, ma bonnette. Waouh. Ça glisse. C'est génial. Bon, écoute, Papounet, si tu aimes jouer à la tête à coiffer, j'ai une nouveauté à te proposer, Papounet. Ah bon? Et oui, on a eu de la chance. Splash Toys nous a envoyé une de leurs nouveautés. C'est pas vrai? Oui. Bon, ma puce, je pose la brosse et on découvre ce jouet. Générique. Et nous revoici les petits copains et les copines. Bon, Mamounette, je suis prêt, j'ai la brosse, j'ai les ciseaux, je suis un coiffeur. Non, allez, non, Papounet, tu n'es pas coiffeur. Si, non, pas pose ces ciseaux très rapidement. On prend une mèche, en plus, on coupe, on fait des bigoudis, oui. On fait des couleurs, tout. C'est merde, on coupe sur ton coupe. On coupe. J'ai jamais vu un coiffeur avec des ciseaux fiscars, hein, quand même. Moi, je suis coiffeur nouvelle génération, je coupe, il n'y a plus rien. La seule chose que tu coupes, c'est la haie quand il faut la tailler deux fois dans l'année et c'est même pas droit, donc. Je coupe aussi la parole parfois. Oui, ça, tu es très fort pour ça. Il y a aussi d'ailleurs. Pas de ciseaux, ok, j'ai compris, pas de ciseaux. Je peux garder ma brosse? Oui, tu peux garder la brosse. Bon, on va découvrir la nouveauté. Je t'ai promis une tête à coiffer. Attention. On voit. Tada! C'est les poupées fancy. Donc c'est Splash Toys qui fait ça. Il y en a 4 différentes à collectionner. Et nous, on a eu la chance de recevoir Emma. Alors, sur les 4, en fait, il y en a une qui s'appelle Lily, l'autre qui s'appelle Anna et une qui s'appelle Rose. Et là, nous, on a Emma. Alors, je vous montre sur le côté du packaging, on a les différentes poupées à collectionner. Donc, Anna, qui est plus brun, les cheveux châtains. Lily, voilà, c'est celle qu'on a, bien sûr. Elle a les cheveux bigou. Elle a un côté vert, un côté rose. Si je casse pas la caméra, ça ira mieux. Papounet, qu'est-ce que tu fais? Bah, je la coiffe. Ensuite, on a Emma qui a les cheveux roses et bleus. Et la dernière, elle est blonde avec un petit peu de roux et elle s'appelle Rose. Donc, on peut les collectionner. Regarde, ce sont des petites poupées à coiffer qui arrivent dans un packaging en forme de joyaux de diamants. C'est chouette. Elle dit qu'elle s'appelle Lily. Comment elle s'appelle? Oui, elle s'appelle Lily, mon cœur. C'est la petite Lily. Allez, on la découvre. Allez, ouvre-moi ça. De côté. Voilà, et on va découvrir cette poupée Lily. Alors, je pense qu'il suffit d'enlever le petit tour là. Ah bah regarde ma puce, ça sent les lisses. Ça doit se déchirer. Waouh, voilà. C'est tout mignon. Trop sympa. Oh, comme ça, comme ça. Donc ça c'est bien parce que ça permet de ne pas abîmer l'emballage et de conserver toutes les poupées. Regarde. Ouais, comme ça on se dit, il me reste encore celle-ci, encore celle-ci. On peut les cocher. Alors. En fait, ce ne sont pas de simples têtes à coiffer, on va le découvrir juste après, mais elles ont une petite particularité. Ça, c'est sympa. Ça m'interpelle, bon, alors, par contre, il y a du scotch tout autour du joyau, Papounet. Alors, Ellie, elle dit, moi, pendant ce temps, je joue à la tablette. Alors, ce qu'on va faire, les petits copains de copine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de scotch de partout. On va enlever tous ces scotch hors caméra et on se retrouve pour ouvrir la boîte et découvrir cette poupée fancy. A tout de suite. Et attends, voilà, j'ai enlevé le dernier scotch. Ça y est, on a tout enlevé, ma puce. Tu peux arracher ça. Est-ce que tu veux que je t'aide? Donc c'est très bien emballé, ma mounette. Mais en tirant un petit peu, on arrive à tout enlever. Regardez ça, les petits copains, petites copines. Oh, quelle belle! Elle est magnifique! Oh là là, une grosse tête! Elle a une énorme tête, cette poupée! Elle est comme moi, une grosse tête! Alors attends, elle a des cheveux coincés dans l'emballage! J'enlève, hop là! Ça y est! Oh là là, elle est magnifique, regarde ma mounette! Je vous la montre de près! Oh, ma mounette, on dirait Harley Quinn avec ses cheveux de deux couleurs! Un petit peu, alors regardez, en fait, il y a une partie sur sa tête, il y a une partie de cheveux qui est en plastique. Alors elle est hyper lourde, Papounet! Oh ouais, elle pèse une tonne! Oh, elle est super lourde, elle a de superbes yeux, elle est toute maquillée, regardez. Et en fait, elle a deux petites mèches, voilà. Une rose et une verte. Trop chou! Alors regardez la petite robe et le petit haut qu'elle a, tout à paillettes. Les paillettes! Trop chou! Voilà, épaules dénudées, trop sympa. Bon, mais elle a l'air super lourde, Papounet, j'ai du mal à la porter! Waouh!
elle vient pas toute seule, elle a des petits accessoires. Oui, Mamounette, regarde, il y a plein d'accessoires. Alors, je t'explique. Déjà, on a des pinces, des... Ouais, c'est des pinces, ça, Mamounette. Comment on appelle ça? Des petites pinces. Et il y a surtout une brosse. La même qu'Eli. Alors, celle d'Eli, elle est comme ça. Ouais. Elle est un peu abîmée, celle d'Eli, d'ailleurs. Oui, oui, elle a oui, même oui. quelques cheveux dedans. Mais elle, elle a de quoi brosser en même temps, avec la longueur de cheveux qu'elle a. Et en fait, celle de la poupée ressemble beaucoup, regarde. Oui. Donc, on va regarder cette poupée. Oh, tu veux la brosser? Mais attends, elle est magnifique. Oh. Et alors, Mamounette, il y avait ça dedans. Est-ce que tu penses que ça nous permet de la poser dessus? Ah oui. Voilà, comme ça, elle reste stable, parce qu'elle a tellement une grosse tête. Et elle a trouvé quelque chose. Je pense que si tu tires très fort, ses cheveux s'allongent. Oui, et voilà la particularité, Babounet. C'est trop rigolo. Non, mais c'est bon. Ça revient, regarde. En fait, tu tires une fois, ça allonge ses cheveux, tu tires une deuxième fois, il rentre. Oh, trop bien. C'est trop pratique, oui, ça. Oui, bravo, Doudou. Ça serait bien si on avait pareil, Mamounette, imagine. On n'ira jamais chez le coiffeur, en fait, on dira. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir les cheveux longs. Je tire. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir les cheveux courts. Il rentre dans la tête. Ouais, non, mais ce serait super. En plus, nous, les filles, on n'est jamais contentes. Un jour, on veut les cheveux courts, le lendemain, on veut les cheveux longs. Sauf que quand c'est coupé, au bout d'un moment... Oh, j'ai envie de les avoir frisés, et puis quand on les a frisés, j'ai envie de les avoir raides, et puis quand c'est raide, j'ai envie de les avoir jaunes, quand j'ai envie de les avoir marrons, quand j'ai envie de les avoir marrons, j'ai envie de les avoir roux, jamais contente. Oui, c'est vrai, les garçons, vous êtes plus simples, en fait, hein. Vous acceptez, vous acceptez. Il va falloir que j'aille bientôt, t'as vu un peu la longueur des cheveux. Oui, on voit bien le blanc sur les côtés, Papouna. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, du coup, j'ai pas vu tous les accessoires, moi. Vous m'avez hypnotisé avec les cheveux. Alors, regarde, voici la petite brosse. Ok, une petite brosse verte, sympa, d'accord. Ensuite, on a des petites pinces. On en a une en forme de cœur. Vous savez, c'est les petites pinces comme ceci, là. Ça tient bien. C'est assez facile pour les enfants de les mettre dans les cheveux. Ensuite, on en a une en forme de rond. Voilà, très sympa. On en a une beaucoup plus grosse en forme d'étoile. Voilà, c'est hyper simple à mettre. Comme ça, les enfants, ils y arrivent. Ici, on a une petite barrette. Alors, la petite barrette, tu peux déjà la mettre, regarde, devant, dans le plastique dur. Regarde, il y a un petit trou, tu dois pouvoir l'enfoncer. Et regarde, même dans les oreilles, regarde, il y a des petits trous pour mettre des boucles d'oreilles. Ah, elles sont où, les boucles d'oreilles? Bah, je sais pas, je me dis, est-ce que c'est la même chose que ça? C'est Ellie qui les a pris? Ah, c'est peut-être Ellie qui les a dans sa main. Mais j'arrive pas à les ouvrir. Ah, bah c'est bien emballé. Regarde, Mamounette. Eh, sympa. Et on peut la déshabiller, regarde. Ah oui, on peut lui enlever ses vêtements. Ok, c'est cool. Et la dernière petite pince, elle est comme ceci. Voilà. J'adore sa robe qui est glitter. Regarde ça. Hein. Elle brille. Alors, on peut la tenir comme ça, hein, comme une glace. Et on peut peigner ses cheveux. Alors, j'essaye, Mamounette, j'essaye. Oh, regardez. Ça fonctionne. C'est génial. Cette brosse fonctionne, mes petites copains et petites copines. Alors, je vais plutôt faire de la main droite. C'est plus facile pour moi. Ah, voilà. Et on peut lui brosser ses cheveux. Regardez, il y a quelques petits nœuds grâce à la brosse. On les défait et voilà, et elle a des cheveux comme Ellie. Regarde Mamounette. Très très beau. Donc je pense qu'on doit pouvoir faire des tresses même. Bah oui. C'est possible. On doit pouvoir faire deux tresses aussi. Bah, une de chaque côté. Oh là là, oui ma puce. Qu'est-ce que c'est? Oh, des boucles d'oreilles en forme d'étoile. C'est une star. Et alors, regarde ce qu'il y avait dans Mamounette. Des petites chaussures. Ah bah oui, elle était pieds nus, Michounette. C'est rigolo, t'as vu la taille des chaussures par rapport à la tête, imagine. Imagine, on aura une tête comme ça. Le melon, quoi. Elle a pris le melon, cette poupée. En fait, physiquement, je pense qu'on pourrait pas marcher, nous. On ferait. On serait trop lourd. Bah. Ouais. Alors, fais voir si les chaussures vont au pied. Bah, bien sûr. Hein. Tout est calculé, regarde, Mamounette. Parfait. Tu mets l'autre? Allez, vas-y, mets l'autre. Alors, une fois qu'on a brossé, est-ce qu'on peut rentrer les cheveux? J'essaye. Oui, ça marche. Allez, vas-y, mets-les. Oh, les boucles d'oreilles. Elle lui a mis les boucles d'oreilles, c'est magnifique. Allez, vas-y, mets l'autre. Je te laisse faire, c'est ici, il y a un petit trou là. Dans l'autre sens, ouais, dans l'autre sens, ça marche mieux. En fait, elles se mettent juste en appuyant. Ouais, t'appuies et ça rentre dedans. C'est facile. Alors, Mamounette, toi qui es une fille, peux-tu nous dire à quoi servent toutes ces pinces? C'est juste à faire ça? Voilà, pour faire des petites décos, les faire tenir. D'accord. Parce que moi, je suis un garçon, je sais pas, mais regarde, j'ai tellement les cheveux longs que. Ça marche. Voilà. Bah t'as compris l'utilité tout seul, tu vois, Papounet. Schnick, ça marche. En tout cas, les petites têtes à coiffer comme ça, c'est sympa. Et puis ça change de celle qu'on a d'habitude. Bah oui, hein. Oui, c'est vrai. Là, tu lui as arraché la moitié des cheveux, Papounet, j'ai vu. Bah oui, mais comme elle est neuve, en fait, il y a beaucoup de cheveux. En trop. En trop. Ça, c'était en trop. Ça, c'est le cheveu en trop.
on va dire comme ça. Ouais, d'accord. T'as pas tiré comme un gros bourrin, pareil. Non. Bon, c'est pas grave. Voilà. Non, mais c'est vrai. Quand c'est neuf et qu'on peigne, il y a toujours des cheveux. N'importe quelle poupée, ça le fait, les petits copains et les petites copines. Alors, elle fait très manga, cette poupée. Regarde. Oh, c'est des gros boules. Regardez, c'est que le béton. Regardez bien, attention. Fais-nous une baroulade. Ok. Fais-nous une baroulade. Bon. J'ai raté ma baroulade. Comment t'as fait, Ellie? T'es arrivé? Voir, j'essaye. Vas-y, vas-y, fais une baroulade. Mais elle y arrive, Ellie. Mais comment tu fais? Attends, j'essaye. Mets-la comme ça. Ouais. Et après, tu la laisses tomber. Et après, elle a l'air. Alors, j'essaye. Attends, challenge. Je vais la mettre devant toi. J'essaye. Attention, petit coup de copine. Je tente la baroulade. Ouais, j'y suis arrivé. Tu vois, elle est tellement longue. Et tu fais comme ça. Ouais. Tu fais comme et tu la lâches en arrière. Et là, elle tombe de la table. Donc il faut bien son socle, hein, tout papouner quand on veut la coiffer. Sinon, on aurait du mal. Donc le socle est ici, petit copine. Non, mais c'est génial. J'adore cette poupée. Alors, c'est la poupée Fancy. En fait, Fancy, c'est la marque de la collection. Oui, là, tout à fait. Nous, on a Lily, mais on a également encore Emma, Rose et une troisième. Oh, c'est génial. Ah, des baroulades. Alors chez nous, baroulade, en fait, je sais pas si c'est français de dire baroulade, hein. Je suis pas sûr, c'est des roulades. Mais nous, en région stéphanoise, on dit des baroulades. Des baroulades, des baravants. Toutes les régions françaises ont les petites expressions comme ça, qui leur sont propres. Alors, Mamounette, j'ai hâte de découvrir, alors je sais même pas dans quel sens la regarder, mais j'ai hâte de découvrir celle-ci. Papa ? Oui. Oh, elle a fini comme ça, Mamounette. Non, mais en vérité, elle est trop belle. Moi, j'adore. Super belle. Elle a une tête de manga, tout simplement. Elle est super chou. Et est-ce que tu penses qu'on peut arrêter la pousse des cheveux là où on veut? Ou est-ce qu'il faut tout tirer? Fais voir. Ah non, il faut tout tirer, tu vois. Il faut vraiment tout tirer. Et ensuite, on range tout. D'accord. On peut pas s'arrêter au milieu. Fais voir. Non, on peut pas. Donc, c'est soit les cheveux longs, soit les cheveux courts. Mais elle ressemble trop à Harley Quinn quand même. Tu es en train de te faire attaquer, Papounet. Je ne vois plus rien. J'ai l'impression d'être Zorro. Je ne sais pas. Au bal masqué. Mais là, je ne vois plus rien. Donc, les petits copines, écoutez, likez, partagez, commentez si vous avez aimé cette vidéo. Soyez sages. Abonnez-vous. Je suis jolie comme ça. C'est magnifique. On ne voit plus. Donc, forcément, je suis jolie. Alors, les cachets d'Elie sont en train de faire effet. Ça y est, c'est bon. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Ces cachets sont en train de faire effet. Les cachets de quoi? Je n'entends plus rien. Les cachets d'Elie. Les cachets d'Elie? Oui, parce que tout à l'heure, elle était un petit peu fatiguée, elle était devant sa tablette, et là, ça y est, elle est au taquet, elle refait les mêmes bêtises que d'habitude. L'énergie! Tout à fait, la petite coquinoute! Bon, les petites copines, sachez que ce jouet est désormais disponible en magasin. On remercie beaucoup la marque de nous l'avoir envoyé. Ça nous permet de la découvrir, de vous la faire découvrir. Je ne vais pas arriver à finir cette vidéo, Mamounette, je te laisse la parole. Merci de dormir. Bon, les petits copains et les petites copines, on vous fait des gros bisous. Soyez sages, likez, partagez. Et on vous fait surtout des gros bisous. Et n'oubliez pas, la poupée Fancy, elle est là, elle est super sympa. Et c'est pas du slogan, ça, Papounet? Elle est là, elle est super sympa. On va se laisser sur elle, d'ailleurs. Allez, les petites copines, à bientôt. Oh, la poupée Fancy, la poupée Fancy, la poupée Fancy. Ah, je fais ce que je veux avec mes cheveux parce que je le vois bien. Ah. Hey, les petits copains et copines, on a oublié de vous montrer quelque chose. Pour faciliter le peignage. On dit le peignage, Mamounette? Le peignement. Coiffage, Papounet. On l'asseoir. Eh oui, ses pieds sont articulés, ses jambes. Donc du coup, on n'a qu'à la mettre en position assise et c'est bon, c'est parti. Vas-y, Papu, je te laisse faire. Est-ce que tu te fais coiffer debout, toi, chez le coiffeur? Jamais. Bah non, t'es assis, alors. Mais la peignoire, comme ça, je bouge plus, je suis comme ça. Bref. Non, mais il est vraiment comme ça. Ouais, c'est vrai. Regardez, elle tient pas du tout parce que. Mais Ellie l'a mise n'importe comment. Oh, la coquinou. Regardez, je l'assois et quand elle est assise, elle tient un peu. Attends, on va l'assoir. Non, mais tout à l'heure, on l'a assise, ça marchait parfaitement. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, assieds-toi. Non, faut pas lui couper les cheveux. Surtout pas les petits copines. Alors attends, Mamounette, je l'assois. Hop, t'es prête? 1, 2, 3, allez, assise. Ça fait. Tout à l'heure, elle tenait super bien. Mais oui, tu sais pourquoi? Je sais. Il lui manque une paire de chaussures. Non, il lui manque une chaussure en fait. Ah, c'est ça qui fait tout. Alors attends.
Attends. Non, il faut pas couper les cheveux, surtout pas. Elle fait une blague. C'est un prank. Ah, mais c'est mon nez, ça. Ouh là là, c'est dangereux. Petit copain, copine, ne jouez pas avec les ciseaux, c'est dangereux. Alors attends, on la touche plus, on regarde. Ah oui, mais il faut aussi que les cheveux soient de la même longueur, voilà. Si c'est plus court d'un côté que de l'autre, ça bascule. Eh oui, c'est déséquilibré. Oui, donc elle tient assise, hein. On vous confirme. Bah bien sûr, elle est encore trop mignonne. Moi, je préfère les cheveux courts. Ah, moi aussi. Allez, on se laisse cette fois-ci, petit copain, copine. Bisous, à bientôt. T'as oublié la soirée.